Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Apparemment, le père Maître Bakayoko a devancé votre jeune frère Eritor. En tout cas, si je fais cette vidéo-là, c'est juste pour vous partager le petit direct qu'a fait l'un des envoyés du ministre Ahmed Bakayoko auprès de la grand-mère, dont j'ai publié la vidéo ce matin, dans ma première vidéo de la journée. En tout cas, grand merci, grand merci. Moi, j'ai pas les mots. On ne dira pas que c'est parce que vous avez les moyens, c'est facile pour vous. Voilà, parce que comme vous, beaucoup de personnes ont les moyens, mais ne réagissent pas. Donc franchement, merci, monsieur le ministre, merci énormément. Bien beau est de critiquer, mais bien beau est de féliciter quand les bons gestes sont accomplis. Voilà, il n'est même pas obligé de faire quelque chose. Elle a créé son cri de détresse, comme je vous l'avais dit ce matin. Moi, malgré tous les vifs que le ministre lui a envoyés, même de l'argent qu'il lui a donné et tout ça, vous allez voir ça tout à l'heure, hein. Je vais tenir ma promesse et je vais passer lui laisser quelque chose aussi. Voilà, c'est ma petite participation pour ce du temps. Pour ce très très dur temps de confinement là, voilà. En tout cas, je suis très content pour la mémé, pour notre mémé, et je félicite encore le ministre Ahmed Bakayoko pour son geste. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Et j'espère que vous allez vite sortir de votre état de coronatique, parce que vous avez dit que vous avez été comment on dit ça, vous avez été testé positif au coronavirus. J'espère que ce geste que vous venez d'accomplir là va rapidement pallier à votre guérison. Voilà. Donc, bon visionnage, les amis. Et félicitez, sans critiquer, le ministre pour une fois. Ciao, ciao. Je n'ai pas de garçon. Quand je suis arrivé à Abidjan, tous mes deux garçons sont partis, ils sont morts. Il reste que les femmes seulement avec moi. Mais aujourd'hui, je ne m'entends pas. Je te remercie beaucoup. Ne t'inquiète pas, la vie. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, je vais t'accoucher. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Non. Tout le monde, mes enfants, mes amis m'ont envoyé ta vidéo. Et je trouve que tu as été courageuse dans la vie, c'est comme ça. Et moi aussi, j'ai été très sensible à ton message et tu peux compter sur moi. Depuis que j'ai perdu mon mari en 90, 11e mois, je n'ai plus de soutien. Tous les parents de mon mari sont morts. Je suis seule. C'est ça, je suis pour aller à Korogo avec mes enfants. C'est celle-là qui fait ma vie, qui nous soutient. On est 10. C'est elle qui nous soutient. Non, elle est tombée malade aussi. Je vais l'aider. Ne t'inquiète la pas. La guerre est venue. On est venu à Abidjan ici. Papa, merci. Non, que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Je n'ai plus de garçon. Non, mais je suis là. Tu peux compter sur moi, parole d'honneur. J'ai mon petit-fils. Voilà, il y a là-bas qui m'envoie un peu, des fois il brûle, il gagne mille fois, et puis il m'envoie mon petit-fils. Ne t'inquiète pas, je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro, on pourra converser directement comme une mère et un fils. D'accord, hein, papa, c'est merci. Difficile, mais Dieu est grand, papa, il y a un merci. Dieu pour tout le monde, et il n'y a pas de souffrance qui ne s'arrête pas, il n'y a aucune souffrance qui ne finit pas. Ok? Bon courage, maman. Merci, bon courage, papa. Et puis je te demande de merci, croire mon en Dieu, fils. Merci grandement, papa. Voilà. Merci, mon fils. Voilà. Ok? Je vais appeler après tout le monde. Quand il y aura moins de personnes et pas parler, parler avec ta vie. Comment l'aider également pour que son commerce ne soit pas en difficulté. Qu'elle puisse continuer à vous aider. Voilà. Merci, allez, papa. Je t'embrasse très fort. Et je t'embrasse aussi. Il ne faut pas te décourager. Il faut toujours espérer. Allez, au revoir. Le maire. Le maire va remettre. Non, il fait un commentaire d'abord. Attendez d'abord. Oh.
Non, maman. Ce matin, nous sommes venus chez vous. On est venus chez vous par rapport à l'appel vidéo que vous avez envoyé à votre fils, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, le maire de la commune d'Abobo. Donc, par rapport à ça, il nous a envoyé. Nous sommes nombreux, comme vous voyez, il y a le chef, il y a le directeur de cabinet, il y a le chef CAM, il y a la directrice des services sociaux culturels, il y a le directeur des différents sous-directeurs de la mairie qui sont là. Et tout ce monde s'est déplacé uniquement pour venir vers vous, au nom du ministre d'État. Le maire de la commune, qui est votre fils, vous envoyez pour vous remettre tout ce que vous voyez. Pour vous remettre tout ce que vous voyez. Il a dit de vous remettre ça. Tout ce que vous voyez. En dehors de ça, il a donné une enveloppe de 300 000 francs parce que dans tout ça là, vous pouvez faire le marché, vous pouvez faire certaines choses pour manger avec. Et dire aussi qu'au niveau de la mairie, il y a un service socio-culturel. Que les gens peuvent s'adresser au service socio-culturel. C'est ce service-là qui est habilité à regarder les cas sociaux. Donc, s'il y a quelque chose, pour vous, c'est en direct de votre fils. Je ne parle pas de vous. Mais pour d'autres personnes, on s'adresse au service, à une direction de services socio-culturels. Et c'est à ce service-là qu'on s'adresse pour pouvoir répondre aux cas sociaux. Donc, vu que votre appel a été entendu par votre fils, et voilà ce que votre fils vous charge de vous donner ce matin. Au nom du maire Ahmed Bakayoko, c'est votre fils que j'ai dit, et aussi avec toute la délégation qui m'accompagne. Moi, je suis de chez vous, mais je suis de l'Ouest, parce que j'ai entendu parler. Moi, je suis Yacouba de Tamani. Donc, à vous d'entendre, je sais déjà que c'est bien chez moi. Donc, merci beaucoup. Sa délégation. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. On n'a pas les mots. C'est le soutien de Dieu seulement qu'on lui apporte. On lui dit merci, 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 longue vie. Vraiment, merci. Santé. De... santé, beaucoup de santé. C'est même plus ce qu'il faut dire. Je lui dis merci. Je remercie mon fils, Ahmed Bakayoko. C'est lui qui est mon garçon maintenant. Je n'ai plus de garçon. Je lui dis merci. Que Dieu le soutienne. Que Dieu remplace tout ce qu'il m'a fait là. Dieu remplace tout ça. Eh Dieu. C'est à force. Tout bon, tu vois,
On peut crier à vous, monsieur. Maladari. Maladari. Elle va bosser. Elle avait extrêmement diamant. Elle va kissi. Elle avait wari chiamant diamant. Elle travaille dilemma. Il n'y a qu'à wari ça. Avec des dilemma. C'est bon. C'est bon. Nous faut faire les sucres devant ces. Ce mec peut venir. On va laisser sur le devant. Ça fait peut rester. Ça fait.